Salut à tous les amis, c'est Akosis et je vous retrouve aujourd'hui pour une petite annonce, enfin un petit questionnaire vite fait par rapport à la série Pokécube. Comme vous le savez, ça va faire déjà un bon paquet d'épisodes que je suis donc dans la vallée de Saïkoula et j'ai en fait plutôt tendance à me casser d'ici, hein. Je ne reste plus vraiment sur l'île, j'ai vraiment tendance à partir. Le seul truc vraiment qui a de l'importance, c'est l'arbre avec le défi, mais que j'avais déjà trouvé les 60 qu'il fallait, 70% des Pokémon. C'est pourquoi je voulais vous poser un petit quelque chose. Que diriez-vous si j'avais tendance un peu à changer de map? C'est-à-dire vraiment que je ne resterais pas sur une map. Que bon, comme vous l'avez vu, hein, pour l'instant, je suis à quoi? J'ai dépassé la centaine de Pokémon, mais il m'en faut encore beaucoup. Et je doute vraiment que rester sur cette map longtemps va vraiment servir. De plus, j'ai déjà perdu certains Pokémon légendaires, ce qui est vraiment dommage. Du coup, ce que je vous propose, c'est tout simplement de changer de map de temps en temps. Donc, ce serait par exemple partir sur d'autres maps style Pokémon. Bon, je change pas le mode, hein. D'ailleurs, arrêtez de me parler de changer de mode. Pour l'instant, je reste avec celui-là. On verra pour la suite. Bon, par contre, évidemment, c'est sûr que ça va me faire partir tout ce que j'ai. Du coup, il va falloir que je me donne, hein. Il va falloir que je triche un peu pour obtenir un peu toutes les ressources que j'avais. Je ferai en sorte d'avoir environ les mêmes. Sauf pour les Pokémon, où ça va être un petit peu particulier. Il faudra que j'entraîne par exemple un ou deux Pokémon pour repartir du bon pied. Ça va me demander un petit peu de travail hors caméra. Mais ce serait donc pour ajouter un petit vent de fraîcheur à la série. Donc dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous intéresse que je change de map de temps en temps. Et pour donner un petit vent de fraîcheur à la série. Donc je vous laisse décider dans les commentaires. Et en attendant, je vous dis à très bientôt.